Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite ouverture, comme promis, de Star Étincelante. Donc, on va s'ouvrir ces deux petits tripacks et voir un peu qu'est-ce qu'il en est. Est-ce qu'on a des bons taux de drop dans ces boosters, dans cette extension? Donc voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien. Et pour les autres, n'oubliez pas le petit like et le petit commentaire, ça me soutient énormément pour la vidéo, pour le référencement et pour la continuité de cette chaîne. Merci à tous et bonne vidéo, à tout de suite. Donc nous allons nous déballer ces deux petits tripacks. Est-ce que la chance va enfin tourner? Est-ce que enfin on va pouvoir avoir de la chance? Parce que toutes les ouvertures que j'ai faites jusqu'à présent, c'est pourri. Vous pouvez le dire dans les commentaires. C'est pourri. C'est pourri. Allez, on va s'ouvrir ça et on se retrouve tout de suite après. Ok, donc du coup, je vous ai gardé les trois boosters dans chaque... voilà, donc on va commencer par les trois boosters de Philali. La petite Philali que je sliverai après, qui va nous regarder ici, le petit code pour vous. Et on est déjà parti pour les trois premiers boosters. Star Étincelante. Les trois premiers de cette chaîne. Alors, ce que je vais faire, par contre, c'est que je ne vais pas faire de tri. D'accord? Donc, je vais y aller direct, comme ça. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que les cartes code pouvaient spoiler. Oui, donc, si vous ne l'avez pas vu, je vais vous montrer un exemple de carte code, parce que j'en ai ouvert quelques-unes avant. Donc, voilà les nouvelles cartes code. Donc, vous voyez, il y en a des blanches et il y en a des noires. Il y en a à bord blanc et il y en a à bord noir. Désolé si ça frise un peu au niveau de la cam. Donc, pourquoi? Ben, j'ai l'impression que Pokémon Company se dit, tiens, si on mettait toutes les ultra rares avec un bord noir pour les cartes code. Donc, du coup, je préfère éviter de me spoiler et partir directement. Voilà. Sans trick. Ok. Ok. TG16 sur TG30. Ok. D'accord. Mimikyu V. Très bien. Et la rare qui est derrière. Bon, ok. J'ai pas trop compris. Attendez. J'ai compris rien là. Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, se lancer un code blanc. Bon, j'ai pas trop compris encore comment ça se passait. Mais. Donc, la reverse. Il n'y avait pas eu de reverse. Du coup, la reverse, c'était là. La petite CHR. Mimikyu V. Là, elle est trop belle, regardez. Bon, je l'ai eu du coup en japonais et je l'aurais eu en français aussi. Je vous ai dit que ce Pokémon me suivait. Pour ceux qui ont suivi les vidéos des ouvertures de décembre, vous avez déjà certainement vu cette carte en japonais. Bon, ben c'est cool ça. Je l'avais pas, du coup, ça fait extrêmement plaisir. On commence très 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 bien cette ouverture pour une fois. Allez, on continue. Pareil. Pas de trick. Encore un Electek pour commencer. Oula. La même combinaison. Eoko. Grignot. Tortipus. Cracnoir. Ah, une River cette fois-ci. Noctunoir. Arceus Vestar qui tombe, magnifique. Waouh. Et qu'est-ce qu'on a derrière? La petite énergie du coup. Et les cartes.
Et là, c'est bien une carte noire, vous voyez? Peut-être que le dos noir, c'est juste pour les dernières, alors, du coup. Pour les... C'est pas pour les reverse, c'est pas pour les CHR, c'est que pour les grosses Arceus V-Star. Bon, ben, je suis content. Je pense que je l'avais même pas eu en japonais. Donc, ça fait extrêmement plaisir. Bon, on est à deux boosters et deux hits. J'avoue que là, en termes de taux, on est plutôt Gucci, hein. Plus que Gucci. Allez, c'est parti pour le troisième booster de ce tri-pack. Oh merde, je me suis spoilé. Alors, on va voir si du coup ma théorie est bonne. Donc, code avec Bornois. On va voir si derrière on a. Bon, vu que je me suis spoilé, vous savez ce qu'on va faire? On va faire le trick du coup. Voilà. Allez, énergie, point. René, clic. Donc, normalement, Chartor, on devrait avoir une ultra rare à la fin. Wistikram. Ce Balbuto, le tripack serait vraiment God Pack. Hein. Tarinor, Coupenote. Oh! Et un Flamoutant V. Bon, ça fait plaisir. Bon, bah écoutez, effectivement, le code noir, une ultra rare. On a fait trois boosters de ce tripack. Trois ultra rares. Une V Star et Mimikyu V. Pour l'instant, le tripack Philali nous met ultra bien. Je ne vous cache pas que là, est-ce que ce serait le retour de la chance de Tibi? On va voir du coup avec ce petit Givrali maintenant. Le petit code des tripacks pour ceux qui veulent. Et on est parti avec. Le petit booster Dracaufeu. C'est parti, mon kiki. Donc pareil, je vais pas spoiler la carte code. Ludocrack, Magmar, Tari, Shinity, un Caraclet, Saltimbanque en reverse et un petit Génicel. Ok, donc rien du tout dans ce booster. Et c'était du blanc. Donc voilà. C'est parti. Pour les deux derniers boosters de cette ouverture déjà. Hop. Peut-être qu'il y en aura d'autres du coup. Oh non, je me suis spoilé du coup, c'est blanc. Donc vous savez ce que ça veut dire. Quand c'est blanc, généralement. Y a rien du tout. Colagriffe, Sauvegarde de la Rose, Musteflo, Rémy, Lixi, Grimalin, Gringolem, Morpheo, Click en Reverse et Mélodelphe. Effectivement, y a rien du tout. Bon allez, j'essaie de ne pas me spoiler le dernier. C'est dur de ne pas se spoiler, hein. Je ne sais pas c'est dans quel sens tu peux regarder du coup. Parfois, c'est pas dans le bon sens. Alors, ok. Hop là, je fais des bêtises sur mon PC. Allez. Stalgamin. Tainor. Deden. Polarume. Lixi. Musteflo. En reverse. Et. Qu'avons-nous derrière? Oh, le petit Raichu V! Muy bien! Et rien d'autre derrière. Le petit Raichu V qui fait plaisir. Bon, bah écoutez, une plutôt bonne ouverture pour une fois. Je crois que Star Étincelante est quand même bien sympathique au niveau des taux. Hein, comme vous avez pu le voir, on a ouvert 6 boosters du coup. Et on aura eu Raichu V, Mimikyu V, qui est une CHR en japonais, je ne sais pas, une TG. TG. En français, Flamoutant V et un Arceus V-Star. Et un peu
Le symbole de cette extension, effectivement. Et ben voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve certainement la semaine prochaine pour une nouvelle ouverture. On ne sait pas encore qu'est-ce que ça va être. Mais en tout cas, j'espère que celle-ci vous a plu. On a été Gucci quand même sur le premier tripack avec 3 ultra rares sur 3 boosters. Et le deuxième, bon, un peu moins bien. Donc, si vous voulez choisir entre Philali et Givrali, je vous conseille Philali. En tout cas, voilà, merci à tous. Peut-être que quand vous regardez cette vidéo, il en reste encore des blisters sur le site, des tripacks, des petits cubes. Donc les cubes que j'ai ouverts la dernière fois qui sont aussi sur le site. Je vous remercie, gros bisous, bon week-end à tous et ciao 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 ciao!